Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies per permetre'm ser aquí per inaugurar aquesta sessió de l'ICEA sobre la sèrie que feu sobre jardins. I vull saludar especialment a la conferenciant d'avui, la senyora Marie-Hélène Benetier. Je suivrai attentivement votre conférence. J'espère que vous me permettez de dire juste avant, en tant qu'écologiste et enseignant, désormais émérite, quelques mots sur le jardin urbain comme patrimoine pédagogique en plus de patrimoine, disons, esthétique, paysager, etc. Je dis de patrimoine pédagogique de beaucoup d'aspects écologiques qui peuvent passer inaperçus à un citoyen qui ne fait que les admirer ou se promener le long de leur sentier. Doncs deia que m'agradaria dir res, dues paraules només, des del punt de vista d'un ecòleg sobre els jardins. Per un cantó, és evident que els jardins són un constructe fet per l'home, és una natura artificial, encara que cada vegada més les plantes solen ser les plantes autòctones, ja queda una mica lluny aquells jardins que la gràcia era que tenien plantes exòtiques, però hi ha algunes coses que val la pena recordar. Per un cantó, deixant de banda l'aspecte del lleure, el fet que passejar per un jardí, doncs sembla que, això ens ho diuen els metges i els psicòlegs, sembla que ajuda a tranquil·litzar les persones en aquest món agitat en el que vivim. A part d'això, hi ha aspectes, jo crec, interessants des del punt de vista de l'ecologia. Per un cantó, hi ha una desproporció evident entre les plantes i els animals. És a dir, les plantes poden ser molt diverses, la diversitat i molts jardins tenen el mèrit de tenir una diversitat enorme, ja es tracti de jardins, diguem-ne, ornamentals, o es tracti de jardins concrets, no sé, doncs els jardins de plantes grasses o els jardins de roses, per exemple, no? En tot cas, les plantes són molt més diverses, solen ser molt més diverses que no pas els animals que hi ha. I molt sovint aquests animals no fan la feina que els animals han de fer en un ambient de bosc, de plantes, és a dir, de polinitzar, d'alimentar-se, d'utilitzar els fruits de les plantes. Encara un altre aspecte interessant, això potser no s'hi pensa prou també, qualsevol jardí que tingui plantes i sobretot arbres és una barrera important que atura les partícules que el vent porta, de manera que molt sovint netegen l'aire no només de partícules, podríem dir, inerts, sinó d'alguns compostos, compostos que ingressen i que després són les plantes que ho pateixen. Pot ser que tinguem menys nitrogen i menys òxids de nitrogen i d'altres productes que són contaminants atmosfèrics gràcies a les plantes, però les plantes ho incorporen i per tant, això ho poden passar als animals que se les mengen si n'hi ha. No sempre és el cas. Un altre aspecte interessant és que els jardins segueixen la pauta, ho estem veient aquests dies de primavera, segueixen la pauta estacional, de manera que a la primavera floreixen, a la tardor les fulles cauen, etcètera, etcètera. Doncs bé, tenim indicacions certes que en els darrers 40-50 anys la primavera arriba als nostres jardins, igual que els boscos i els camps en general, arriba 15 dies abans i la tardor triga 15 dies més en arribar. Encara que el calendari sigui el que és, però la primavera fisiològica i la tardor fisiològica. És a dir, el canvi climàtic ha produït una ampliació d'un mes sencer, de moment, ja veurem en el futur què ens depara, de l'època estival, per dir-ho així. La qual cosa doncs, és una de les dades, a part de la pujada del nivell del mar, a part de la fusió dels gels, etc., una de les dades més potents que tenim per indicar que efectivament hi ha un canvi climàtic que és preocupant. I encara en podríem dir alguna altra d'aquestes coses. Per exemple, molt sovint aquestes espècies exòtiques
que deia que ara, per sort, ja no són tan interessants com eren fa un temps, porten també organismes exòtics, de manera que espècies de cargols, de cucs, i no diguem ja d'ocells, d'aranyes, etc., que han vingut més o menys associats a les tiges, a les fulles, a les arrels, a la terra dels testos on aquestes plantes procedien d'allà on fos. I en alguns casos aquestes espècies són realment preocupants. Recordeu el cas del morrut roig, d'aquest escarbat, que va venir amb les palmeres que Barcelona va comprar en ocasió dels Jocs Olímpics i que és una espècie que forada i malmet les palmeres de Barcelona, dels palmerals d'Elx i d'altres llocs. No? De manera que amb aquestes espècies molt sovint arriben també les plagues que ens fan la guitza. A part d'això, naturalment, hi ha altres aspectes. Contemplar en un d'aquests jardins com els ocells, en alguns casos, però sobretot els insectes, guitzen algunes flors i altres aspectes d'aquest estil, jo diria que són una de les lliçons més interessants que pot tenir un urbanita que difícilment, no només per la pandèmia, sinó per altres coses, difícilment surt al camp i, en canvi, la natura que té més a prop és la natura dels jardins. Per tant, benvinguts siguin els jardins, sobretot, com es deia fa un moment, els que porten molt temps, que acumulen biodiversitat i que, entre altres coses, ens ensenyen ecologia i ens ajuden a passar els tràngols de la vida, com la pandèmia, de manera més suau i més tranquil·la. Moltes gràcies i espero que aquesta conferència, com la resta de tota la sèrie, sigui molt interessant. Endavant. Moltes gràcies, senyor president, per cedir-me la paraula. Bona tarda a tots els assistents. Em dic Teresa Garceran i és un plaer presentar-vos a la nostra segona ponent del cicle de celebració dels 10 anys de Jardins, Jardiners, Art, Ciència i Ofici als Països Catalans, Marie-Hélène Benetier, que ens parlarà dels jardins, un patrimoni a conservar i posar en valor. Podeu anar fent les preguntes que cregueu oportú a través de la pestanya que trobareu a la part de baix de la pantalla, que diu Preguntes i respostes, i aquestes preguntes les recollirà en Xavier Argimon, que serà qui les transmetrà a la Marie-Hélène i les respondrà. Marie-Hélène Benetier és historiadora de l'art dels jardins, enginyera de projectes i cap de la Comissió pels Parcs i Jardins del Ministeri de Cultura francès. Els seus estudis universitaris a Lyon la van dur el 1986 a treballar sobre els jardins del segle XVIII, tema que no ha deixat des de llavors, realitzant preinventaris de jardins en diverses regions de França, posant les seves recerques a disposició de la major quantitat possible d'interessats. El 1992 va entrar al Departament de Metodologia de l'Inventari General del Patrimoni per redactar una eina metodològica dins de la col·lecció Principis d'anàlisi científic, el vocabulari del jardí. Aquest treball es va publicar amb el títol Jardin, Vocabulaire Typologique et Technique per les edicions del Patrimoni l'any 2000. És autora de diverses obres, com en art dans l'histoire des jardins, el 2002, La clé du jardin, el 2003, i Jardins a l'Alsace, 4 siècles d'histoire, codirigit amb Frédéric Bourras, el 2010. També ha publicat articles referits al patrimoni dels jardins a nombroses revistes com Revue de l'Art, Bulletin Monumental, Histoire de l'Art, Polia, Jardin de France, Archéopage o Journal of Landscape Architecture, entre moltes d'altres. Així mateix, des de l'any 2006, té al seu càrrec l'edició científica de les actes de les jornades d'estudi organitzades dins del marc de l'esdeveniment Rendez-vous Jardin. Membre del comitè de redacció i després directora de redacció de les publicacions Polia i Revue de l'Art des Jardins, també ha col·laborat amb Institut Revue de Patrimoine
i representa el Ministeri de Cultura davant del Ministeri d'Agricultura en qüestions relacionades amb els recursos fitogenètics. Ha ensenyat Història de l'Art dels Jardins a diverses universitats, Lyon 2, Paris 1, escoles d'arquitectura com Versailles i Marseille, i ha impartit formació contínua per a adults. Recentment, els seus projectes s'han centrat a Europa, configurant una xarxa d'institucions que tenen el seu càrrec jardins, anomenada EREI o Jardà, emprada pel Consell d'Europa. Un projecte Erasmus, intercanvi de sabers i saber fer als jardins històrics, i un tesaurus multilingüe que ofereix la traducció en 16 llengües europees d'un centenar de paraules que descriuen els jardins. També va ser ella qui va iniciar l'obertura a Europa de l'internacionalment reconegut esdeveniment Rendez-vous aux Jardins. Bienvenue, Marie-Hélène, à cette deuxième session de célébration du 10e anniversaire de Jardins et Jardinistes. Je te donne la parole et je te laisse avec les participants. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci Teresa, merci Monsieur le Président. Je voulais aussi remercier l'association catalane de jardins et jardiniers de m'avoir invitée aujourd'hui. Et puis je voulais aussi dire à Montse Rivero mon amitié et la remercier pour sa confiance. Maintenant, je veux bien démarrer et qu'on puisse voir le PowerPoint, s'il vous plaît. Alors donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la politique mise en œuvre par le ministère de la Culture pour mettre en valeur les jardins, que ce soit des jardins historiques ou des jardins plus contemporains. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le ministère de la Culture en France et notamment le service dans lequel je travaille, qui est la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, la sous-direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux, plus précisément. Nous sommes deux, mon collègue Jean-Michel Sinsard, que vous avez rencontré lors de nos échanges à Barcelone, et moi. Mais nous sommes aidés dans toutes les régions de France par des personnels du ministère de la Culture, que l'on appelle des correspondants jardins, qui relaient toutes nos actions dans chaque région de France. Donc, nous sommes deux et aussi nous sommes présents en région grâce à ces correspondants jardins. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voilà le plan de mon intervention, puisque nos missions en administration centrale couvrent tous ces thèmes, c'est-à-dire la connaissance, la protection, la restauration, les plans de gestion, la formation, la valorisation et la sensibilisation et la documentation. Et je vais revenir donc sur chacun de ces thèmes. La prochaine diapo, voilà. Alors, la connaissance, ça commence au début des années 1980 par une opération de recensement des jardins d'intérêt botanique, historique ou paysager qui a été appelée pré-inventaire des jardins. Et c'est une opération qui a été mise en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie pour révéler l'immense richesse de ce patrimoine que sont les jardins. Parce qu'il faut se dire qu'au début des années 80, les jardins étaient assez maltraités, ils n'étaient pas connus, ils étaient maltraités. On connaissait bien les jardins de château, mais pas tout le reste de ce patrimoine. Et l'idée de ce ministère, c'était de les recenser, de les étudier, de mieux les connaître pour pouvoir les conserver et les protéger. Donc, les pré-inventaires de jardins ont commencé en 1981 par 5 ou 6 régions, dont la région de la Côte d'Azur, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et d'autres régions ont pris la suite pour arriver à la fin des années 90 par quasiment toutes les régions de France
métropolitaine, mais aussi la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Mais le ministère de la Culture rentre dans cette aventure en 1984. Il est appelé par ce ministère qui avait démarré ses pré-inventaires de jardins, parce que le ministère de la Culture est assez expérimenté en matière d'inventaire, puisqu'il y a un service dédié au ministère de la Culture qui s'appelle le service de l'inventaire du patrimoine, qui a été créé par André Malraux et qui existe depuis 1964. Donc, le service de l'inventaire du patrimoine a été associé à cette opération pour harmoniser la méthodologie de cette enquête et pour apporter tout son savoir-faire méthodologique, mais aussi pour tout ce qui concerne le vocabulaire. Est-ce qu'il fallait pour qu'on se comprenne, qu'on parle tous le même vocabulaire, tous la même langue. Et c'est grâce à l'inventaire qu'on y est à peu près arrivé. Alors, cette démarche de pré-inventaire de jardin permet aujourd'hui de consulter plus de 4700 fiches sur les parcs et jardins. Donc, sur la droite de la diapositive, vous voyez une fiche vierge et une fiche un petit peu remplie. Donc, il y en a un peu plus de 4700 qui sont en libre accès sur les bases documentaires du ministère de la Culture. Elles sont évidemment indexées pour pouvoir les trouver plus facilement sur une base qui s'appelle POP, pour Plateforme ouverte du patrimoine. Et à ces 4700 fiches viennent s'ajouter aussi toutes les fiches des monuments historiques pour tous les jardins qui sont protégés au titre des monuments historiques. Mais je reviendrai sur la protection au titre des monuments historiques. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Alors, la connaissance, ça passe aussi par une opération sur les archives des parcs et jardins, qui a été mise en œuvre en 2011. C'était une enquête qui visait à dresser un état des lieux, des fonds d'archives susceptibles de mieux faire connaître les parcs et jardins, mais aussi c'était pour voir quels fonds d'archives pouvaient être menacés de fractionnement, menacés de disparition, menacés d'être dispersés, de partir à l'étranger. Donc, cette enquête a été menée dans tous les services d'archives nationales, régionales, départementales, municipales et dans des fonds privés aussi. Et elle permet d'avoir une meilleure connaissance de tout ce qui concerne les fonds qui concernent les jardins, les jardiniers, les paysagistes, les horticulteurs, les pépiniéristes, les jardins ouvriers, les jardins collectifs. On a visé assez large. Et on a exclu tout ce qui est urbanisme, c'est-à-dire les aménagements récents de ronds-points, de choses comme ça. Mais tout ce qui concerne les parcs et les jardins ont été recensés grâce à cette enquête sur les archives. Et vous pouvez la voir, elle est en libre accès sur le portail européen des archives dont vous avez le nom en bas de la page. Alors, merci. Alors, la connaissance, ça passe aussi par un portail qui est en libre accès sur le site du ministère de la Culture, qui s'appelle le portail Histoire des Arts. Et le portail Histoire des Arts est conçu pour les enseignants et pour les élèves. Alors, les élèves du primaire et du secondaire, du collège et du lycée. Et c'est une entrée pour les domaines artistiques, pour la connaissance des domaines artistiques, et aussi vaste qu'ils soient.
c'est-à-dire la peinture, la sculpture, l'architecture, mais aussi la musique, mais aussi le théâtre. Et on m'a confié la difficile tâche de travailler et de proposer quelque chose pour les jardins. Et voilà, donc ce sont la prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce sont c'est très simple, c'est très court, parce qu'il faut être très concis. Ce sont des repères historiques sur l'histoire des jardins, des repères chronologiques. Alors, de l'Antiquité au XXIe siècle, donc depuis les jardins de Babylone jusqu'à aujourd'hui. Et vous imaginez bien que c'est une tâche gigantesque. Il ne faut pas écrire trop de choses. En revanche, il faut être très synthétique dans les contenus. En revanche, il faut donner beaucoup, beaucoup de liens hypertextes qui permettent aux enseignants, aux élèves d'aller chercher eux-mêmes sur des sites. S'ils veulent approfondir telle question, s'ils veulent en savoir plus sur les jardins italiens de la Renaissance, ils peuvent aller trouver des contenus formidables écrits par nos collègues en Italie. Et donc, là aussi, vous avez en bas de la page l'adresse. On peut aller à la suivante. Merci. Alors, au ministère de la Culture et dans mon service, on s'occupe aussi de la protection des monuments historiques et la protection des jardins. Assez longtemps, les jardins ont été une sorte d'écrin pour un édifice et on ne les protégeait que dans ce sens-là. Et depuis les années 90, certains jardins ne sont pas associés à une maison, à un château, à une demeure, à un grand édifice, et ils sont protégés pour eux-mêmes. Et on essaye aussi d'évoluer dans la protection des jardins. Au début, c'était vraiment très, très détaillé. On protégeait tel parterre avec avec les escaliers, avec la serre, avec le bassin. Et maintenant, on essaye de protéger tout, c'est-à-dire l'ensemble du domaine et tout ce qui ne se voit pas également, par exemple, un système hydraulique. Un système hydraulique qui pourrait venir de plusieurs dizaines de kilomètres, s'il est endommagé parce qu'il n'est pas protégé, ça met en péril le jardin. Donc, on essaie de voir beaucoup plus globalement et de protéger aussi tout ce qui ne se voit pas dans le jardin, mais qui sert à son entretien et à son histoire. Alors, à la fin de l'année 2020, 2493 jardins étaient protégés au titre des monuments historiques, dont 627 jardins classés. Alors, le jardin classé, c'est la forme la plus lourde de la protection. Et 1874 jardins inscrits, c'est un petit peu moins fort. Et ça veut dire que quand on a un jardin classé, on a beaucoup de devoirs, on a quelques droits, notamment de subventions de l'État. Mais on a quand même beaucoup de devoirs de conserver son jardin. Et dans certaines conditions, il faut faire intervenir que des professionnels qui sont agréés par le ministère de la Culture. C'est plus lourd, mais c'est aussi plus intéressant parce qu'on a des financements qui sont aussi plus intéressants. Un propriétaire privé peut avoir jusqu'à 90% des travaux de son jardin qui sont pris en charge par l'État ou par les collectivités régionales ou locales. Donc, c'est plus lourd, mais c'est aussi financièrement plus intéressant. Et donc, je mets à jour chaque année la liste des jardins protégés au titre des monuments historiques sur notre site Internet. Vous avez l'adresse en bas de la page. Alors, sur la prochaine diapo,
C'est mon collègue Jean-Michel Sinsard qui a fait ce graphique, et ce graphique montre très bien comment la protection des jardins a augmenté à une certaine époque. Et l'époque, c'est après 1980, et c'est là qu'on se rend compte de l'intérêt très important qu'ont été ces pré-inventaires de jardins. Puisqu'après 1982, 3, 4, on connaît mieux les jardins, on sait mieux les cerner, on sait mieux les définir, on sait mieux les comprendre, et du coup, on peut demander leur protection au titre des monuments historiques. Donc, vous voyez qu'après, à partir des années 80, c'est phénoménal. On a protégé énormément de jardins. Maintenant, ça se tasse un petit peu, et puis c'est normal, puisqu'on en a protégé beaucoup, et il y a moins de jardins intéressants ou en danger qu'il faut protéger maintenant. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on s'occupe aussi au service du patrimoine de la restauration des jardins. Donc, je vous ai mis évidemment notre Bible, c'est la charte des jardins historiques, la charte de Florence de Lycomos, dont on fêtera l'anniversaire à la fin de l'année à Florence. Et donc, restaurer un jardin, c'est souvent une tâche difficile parce que, comme le dit très bien la charte de Florence, le jardin est un monument vivant et il faut s'attacher à montrer toutes les marques de son histoire qui a pu être très, très longue, sans en effacer, sans en oublier et en essayant de ne pas en oublier et de le jardin étant un palimpseste, il faut garder toutes les couches. Voilà. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans nos missions, on a ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique. Et on accompagne les propriétaires et nos collègues dans les DRAC pour la restauration des jardins. Et on les aide justement pour ce qui est des études historiques, des recherches, comment trouver les documents, comment trouver les cadastres, les titres de propriété, les photos anciennes, les photos aériennes dont on peut se servir. Pour après, la prochaine diapo s'il vous plaît, pour après pouvoir proposer des parties de restauration. Alors, les parties de restauration vont de la restitution jusqu'à la création. Et vous voyez là le summum de la restitution qui s'est faite à Versailles dans les années 90-2000. C'est-à-dire qu'on partait d'une image du jardin, ici le bosquet des Trois Fontaines, à l'époque de Louis XVI, qui au XXe siècle était très très dégradé, pour le refaire à l'identique selon les images anciennes. Vous voyez sur la diapo de gauche en bas l'état des travaux, c'était toujours des travaux gigantesques. Alors, ce parti de restauration, de restitution est un petit peu dépassé maintenant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et là, on se trouve aussi à Versailles, aussi dans un bosquet. Et là, c'est une création contemporaine qui a été confiée au paysagiste Louis Bénèche et à l'artiste Jean-Michel Autoniel. Ce bosquet s'appelle le bosquet du Théâtre d'Eau. Et dans ce bosquet, l'eau a été vraiment mise en scène d'une manière tout à fait moderne et contemporaine. Il faut dire qu'il y a eu un changement d'état d'esprit. Qui, la, la, le, le, le,
la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui doit donner son avis sur la restauration d'un jardin qui est protégé au titre des monuments historiques pour un jardin classé. Cette commission doit donner son avis. Et l'état d'esprit de cette commission a beaucoup changé. En 10 ans, on est passé d'une restauration, restitution à l'identique à des créations plus contemporaines qui laissent peut-être un petit peu plus de la place au palimpseste, je ne sais pas, mais en tout cas qui ne fige pas les jardins dans un état historique qui n'est plus en relation avec les usages contemporains. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, le ministère de la Culture compte aussi parmi ses métiers, des métiers d'art, et les jardiniers ont le statut de jardinier d'art au ministère de la Culture, parce que notre ministère est un des plus grands gestionnaires de jardins historiques, parce que ce sont les anciens domaines royaux, les anciens domaines de la couronne, sont les grands domaines comme Versailles, Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye, Pau, Compiègne, qui sont devenus, après la Révolution, des domaines nationaux, évidemment. Et ces domaines sont gérés par ce corps de jardiniers, les jardiniers d'art, qui entretiennent nos domaines. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Ces jardiniers d'art ont la lourde tâche d'entretenir les jardins au jour le jour, mais aussi de conserver des savoir-faire très spécifiques. Vous voyez ici, on est à Saint-Cloud, et ils travaillent sur de la mosaïculture, qui est une technique qui est plus guère utilisée que dans quelques parcs du 19e, comme à Lyon, au parc de la Tête d'Or, ou ici à Saint-Cloud. Et puis, ces jardiniers d'art doivent aussi transmettre des gestes, des savoir-faire, et ils sont là aussi pour la communiquer évidemment aux jeunes jardiniers, mais aussi aux visiteurs. Ils ont souvent un rôle important d'intermédiaire, de médiation avec les visiteurs. Donc, il y a trois grades, les chefs, les techniciens d'art et les adjoints techniques qui sont vraiment les jardiniers exécutants sur le terrain. Aujourd'hui, il y a près de 200 jardiniers d'art au ministère de la Culture. Mais il faut savoir que c'est un corps de métier vieillissant. Beaucoup vont partir à la retraite très bientôt. Et avec eux, va partir un petit peu de savoir-faire ancien. Donc, on essaye, et notamment par la formation, de conserver ces savoir-faire. Et je reviendrai sur la formation. Mais la prochaine diapo, s'il vous plaît. On a parlé de restauration. Alors, la restauration, c'est un acte lourd qui est long, qui engage beaucoup de corps de métier et qui coûte très cher. Alors, on préfère que l'entretien soit constant, bien fait, bien suivi par nos jardiniers d'art et puis par les responsables des domaines nationaux pour être dans une conservation dynamique des jardins plutôt que de revenir à des restaurations très lourdes tous les 20 ans. Et cette méthode du plan de gestion permet cela et permet à nos domaines de vivre et à nos jardiniers de travailler, et ça coûte beaucoup moins cher à l'État. Mais je ne parlerai pas du plan de gestion parce que ce n'est pas mon domaine, c'est celui de mon collègue Jean-Michel Sinsard. Et je vous parlerai du MOOC tout à l'heure et vous verrez qu'il y a une intervention de Jean-Michel Sinsard sur cette question.
la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour les personnels du ministère de la Culture, les jardiniers là, des jardiniers d'art que vous voyez là à l'œuvre à Versailles, en train de tailler des taupières, mais aussi pour tous les autres professionnels, on organise des formations. Et des formations diverses. Alors ici, c'est de la formation professionnelle sur le terrain de taille, mais prochaine diapo, s'il vous plaît. Mais aussi, on organise des formations d'initiation à l'histoire des jardins pour tous les personnels du ministère de la Culture, que ce soit les jardiniers, que ce soit les gardiens des jardins, que ce soit les conservateurs des monuments historiques, les architectes des bâtiments de France. Et ici, vous voyez, c'était les correspondants jardins. J'avais organisé une formation dans le sud-ouest de la France. Et là, on est dans un jardin restauré récemment. Et c'est la paysagiste qui l'a fait restaurer. C'est le jardin Arnaga à Cambo-les-Bains. C'est la paysagiste qui l'a restauré, qui nous le faisait visiter. Donc, ces formations d'initiation à l'histoire des jardins, nous avons 5 modules. Un module d'initiation, vraiment initiation, qui dure une semaine. Et puis ensuite, des modules de 3 ou 4 jours sur les jardins réguliers, sur les jardins irréguliers. Et le dernier module qu'on va mettre en place cette année, puisqu'en 2020, on n'a pas pu le faire à cause du Covid, traite des jardins contemporains. C'est une question qui revient fréquemment à nos correspondants jardins en région ou à nos personnels dans les services d'architecture. Donc, ces formations sont ouvertes à nos personnels, mais aussi à des collègues qui peuvent travailler dans des collectivités locales et aussi à des propriétaires de jardins en nombre moindre cependant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la formation, ça passe aussi par une journée technique que j'organise chaque année sur la thématique des rendez-vous au jardin, puisque la thématique des rendez-vous au jardin change chaque année. Et cette journée technique fait l'objet d'actes dont vous voyez les couvertures là, qui sont mis en ligne sur le site du ministère de la Culture, pour que chaque personne intéressée par les rendez-vous au jardin puisse en prendre connaissance et s'en servir pour organiser les événements dans leur jardin. La prochaine diapo, mais je reviendrai sur cette journée d'études. La prochaine diapo, merci. Alors, on s'occupe aussi de valorisation des jardins. Et notamment du label Jardin Remarquable, le label Jardin Remarquable qui a été mis en place en 2004 par le ministère de la Culture. Il est toujours attribué par le ministère de la Culture et il est pour des jardins publics, privés, mais il faut que les jardins soient impérativement ouverts au public plus de 40 jours par an, enfin au moins 40 jours par an. Et il faut qu'il présente un intérêt historique, esthétique, paysager ou botanique. On demande aussi à ce que les jardins soient bien entretenus et dans le respect de la non-utilisation de produits phytosanitaires et dans un bon esprit de développement durable. Alors aujourd'hui, là vous avez les chiffres de décembre 2020, il y avait 451 jardins labellisés et je peux vous dire qu'aujourd'hui il y en a 454. Et ils témoignent de la très grande diversité des jardins qu'on trouve en France. Et le label est attribué pour 5 ans et il est renouvelable au bout de ces 5 ans. Le label peut ne pas être renouvelé si, par exemple,
les propriétaires ont changé et ils ne veulent plus ouvrir leur jardin, ou si le jardin est plus ouvert au public, ou si il est plus entretenu, ou ce genre de choses. Mais sinon, la très très grande majorité des jardins labellisés demandent le maintien de leur labellisation après les 5 ans. Sur la page suivante, je vous ai mis un exemple en région centre qui vous montre les différents types de jardins qui sont labellisés. C'est vraiment très, très différent. Vous avez un jardin de château comme Chaumont-sur-Loire, une création contemporaine comme vous voyez là à gauche, et un jardin art déco, un jardin public art déco qui se trouve à Bourges, dans le centre de la France. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour valoriser ces jardins labellisés jardins remarquables, le ministère de la Culture a créé un site qui est mis à jour régulièrement. Et sur ce site, vous avez une carte interactive qui permet simplement, en cliquant dessus, d'avoir une notice pour le jardin. Alors, on a évidemment l'adresse, les coordonnées GPS pour s'y rendre, un descriptif du jardin, les heures d'ouverture, le prix d'entrée. Voilà, c'est ce genre d'informations que l'on a. Et là encore, la carte et le site sont très régulièrement mis à jour, puisque quelquefois, il y a des jardins en plus, mais aussi, il y a quelquefois des jardins qui ne sont plus labellisés, donc que l'on retire. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu plus près les jardins labellisés jardins remarquables, c'est que les 2 tiers des jardins labellisés sont des jardins privés, que 35% des jardins labellisés sont protégés au titre des monuments historiques. Et il y a 11% de jardins inscrits et 19% de jardins classés, c'est-à-dire le plus haut degré de protection. Et 11% de ces jardins sont aussi protégés au titre des sites. C'est un autre ministère que celui de la Culture, c'est le ministère de l'Écologie qui s'occupe des sites protégés. Là, vous avez 2 images, Versailles et sa grande perspective. Et en dessous, un jardin oriental qui se trouve à Maulévrier, dans la campagne du Maine-et-Loire, dans l'ouest de la France. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ce qui est très intéressant de voir, c'est que beaucoup, beaucoup de jardins labellisés jardins remarquables sont des jardins du XXe siècle, voire du XXIe siècle, puisque 6,5% datent des années 80, 38% ont été créés entre 1990 et 2000, et 18% sont vraiment des jardins du XXe siècle, c'est-à-dire des créations très contemporaines. Ce qui est intéressant pour ces jardins contemporains, puisqu'il va falloir qu'ils attendent encore assez longtemps pour être reconnus comme patrimoine et être à ce titre, pouvoir être à ce titre protégés au titre des monuments historiques. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, le label Jardin Remarquable a fait des émules, puisque dans le cadre du beau projet Erasmus Plus, échange de savoir et de savoir-faire dans les jardins historiques en Europe. On avait présenté, comme on l'a fait chez vous en Catalogne ou aussi à Madrid, mais aussi à nos collègues hongrois et à nos collègues belges, ce qu'est le label Jardin Remarquable. Et nos voisins belges de Wallonie ont souhaité labelliser des jardins belges comme jardins remarquables. Donc, ils ont demandé au ministère de la Culture l'autorisation d'utiliser le logo,
du label, la marque qui est une marque qui est déposée, qui est une marque déposée en Europe, pour la France et évidemment pour l'Europe. Et on a bien évidemment accepté qu'ils utilisent nos critères, notre logo et le nom. Et nos collègues wallons ont labellisé une vingtaine de jardins à la fin de l'année 2020. Les Allemands sont également intéressés et j'espère que les Catalans le feront un jour également. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. La valorisation, ça passe aussi par des opérations pour le grand public, des opérations comme Rendez-vous au jardin. Rendez-vous au jardin est organisé depuis 2003 chaque premier week-end du mois de juin, sauf en 2020. Et cette manifestation rassemble à peu près 2000 parcs et jardins qui ouvrent leurs portes quelquefois spécialement. Certains jardins ne sont ouverts que ces jours-là, une fois par an, et d'autres, non, ce n'est pas spécialement, mais qui, à l'occasion de ces journées, accueillent le public, le reçoivent, font des concerts, des représentations théâtrales, des lectures, des visites guidées. Enfin, c'est un peu une grande fête des jardins, ces rendez-vous jardins. Et chaque année, depuis 2005, un thème est choisi. Et on essaye avec tous nos acteurs, les propriétaires publics et privés, les collectivités territoriales, de travailler sur ce thème. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, je vous ai mis des affiches. Vous voyez les affiches de ces rendez-vous au jardin depuis de nombreuses années. Donc, le but, c'est de faire découvrir au plus grand nombre les actions menées par le ministère de la Culture en faveur des jardins, mais aussi de faire découvrir à tous ce qu'est un jardin, qu'il soit historique ou pas. Et pour ce faire, une journée est consacrée aux scolaires, aux jeunes, et les jardins, publics ou privés, accueillent le vendredi des rendez-vous aux jardins. Les jeunes, les élèves de classe. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez que depuis 2005, on a travaillé sur un grand nombre de thèmes. Je reviendrai pas dessus. Par exemple, seulement sur un thème, 2013, c'était le jardin et ses créateurs, parce que 2013, c'était l'année de la commémoration du quatrième centenaire de la naissance d'André Le Nôtre. Donc, c'était difficile de faire un rendez-vous au jardin spécial André Le Nôtre, parce que ça concerne quand même trop peu de jardins en France. Mais parler des créateurs de jardins, c'était aussi mettre en valeur André Le Nôtre, mais aussi tous les créateurs de jardins en France au XVIIe siècle, au XVIIIe, au XIXe, au XXe et au XXIe siècle. Donc, vous voyez là qu'en 2020 et en 2021, on a le même thème, à savoir la transmission du savoir. Puisque les rendez-vous au jardin ont été annulés en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Et le thème qui nous paraissait très, très riche, ce thème de transmission des savoirs, a été reporté en 2020 et permet de le décliner de façon différente.
Voilà, bon, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur les rendez-vous au jardin. On va passer. Ah oui, si, si, la journée d'études qui a lieu chaque année, fait l'objet d'actes et les actes sont mis en ligne sur le site du ministère de la Culture. Cette année, la journée d'études s'est déroulée uniquement en visioconférence. D'habitude, nous avons 200 places dans la salle, donc au maximum 200 personnes. Et cette année, il y avait 480 personnes inscrites. Donc, pour une fois, la visioconférence a permis à plus de gens, de pouvoir accéder à ces contenus. La prochaine diapo, voilà, merci. En 2018, ma collègue Aurane Proisy, qui travaille aux affaires européennes et internationales, et moi avons proposé de rendre ces rendez-vous au jardin européen, comme ça a été fait en son temps pour les journées européennes du patrimoine. Et donc, ces rendez-vous au jardin sont devenus européens en 2018. Pour moi, c'est une grande fierté puisque ce n'était pas donné du tout au départ. C'est grâce à vous tous, tous les Européens qui nous ont suivis dans cette aventure qui a été assez enrichissante et stimulante. Donc, depuis 2018, 16 pays, déjà dès 2018, 16 pays européens ont participé, dont l'Espagne, mais principalement la Catalogne, puisque je crois que les seuls jardins ouverts en Espagne, c'était chez vous, en Catalogne. Et ça a permis à plus de 2 millions d'Européens d'aller visiter plus de 2 700 parcs ou jardins. Les activités pour les scolaires ont été bien respectées dans tous les pays le jour du vendredi 1er juin. Et ce qui est aussi pour moi une assez belle réussite, c'est que contrairement aux journées européennes du patrimoine, où les dates diffèrent, où les thèmes quelquefois diffèrent, là, tous les pays se sont engagés à ouvrir les jardins aux mêmes dates, chaque année, le premier week-end de juin, avec la même affiche qui est déclinée dans différentes langues et sur le même thème. Alors, le thème évident pour 2018, c'était l'Europe des jardins. Mais si on passe aux diapos suivantes, on voit que on a abordé d'autres thèmes les années suivantes. Si on peut, voilà. Bon, ça c'est juste la carte pour vous montrer que bah, beaucoup, tous ces 16 pays ont participé et maintenant il y en a un peu plus de 16. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà des idées, des images de cette affiche qui est déclinée dans les différentes langues. Je crois qu'à gauche, c'est du tchèque. À droite, ça doit être de l'allemand et en bas, du hongrois. La prochaine diapositive. Alors là, 2019, avec toujours l'affiche qui est déclinée dans les langues qui participaient à l'opération. Et vous voyez que là encore, on a trois jardins ouverts en Espagne et c'est en Catalogne. Bravo la Catalogne. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc cette année 2021, on reprend le thème de 2020, hein, la transmission des savoirs, puisque ce thème était vraiment très intéressant et très ouvert et on pouvait le décliner vraiment de façon très différente. La journée d'études s'est tenue le 10 février 2021. Les actes sont en ligne sur notre site internet.
Et vous voyez là l'affiche 2021, la transmission des savoirs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la valorisation, ça passe aussi par la valorisation vers nos réseaux, mais aussi vers l'extérieur, principalement vers l'Europe. Et donc, ma collègue Oran Troisi m'a proposé en 2015 de travailler avec le réseau IRIN, qui est le réseau européen du patrimoine, sur des questions particulières qui concernent les jardins. Et donc, on a soumis une enquête à 22 pays, enfin, on a soumis une enquête à tous les pays de la communauté européenne. Et 22 pays ont répondu, et avec des réponses très, très intéressantes. Alors, c'était des questions sur y a-t-il des inventaires de jardins dans votre région, dans votre pays? Y a-t-il des protections? Quel type de protection? Est-ce qu'il y a des enseignements particuliers pour le jardin au paysage? Voilà, c'était ce genre de questions. Et ces 22 pays ont répondu. Et ça nous a permis de constituer un réseau, et un réseau des administrations qui ont la charge des jardins dans chaque pays. Donc, c'est comme ça qu'est née IRIN au jardin, dont vous voyez une page du site. Et le site Internet est lui aussi remis à jour très fréquemment, avec des contenus variés et intéressants, je pense. Donc, notre prochaine diapo, s'il vous plaît. Notre but, c'était vraiment de constituer un réseau d'administration en charge de la politique des jardins. Alors, on a eu une réunion en février et il y avait une vingtaine de participants. C'est plutôt encourageant, puisque d'autres pays d'Europe nous rejoignent, et c'est un bon signe. On voulait aussi promouvoir un échange Erasmus+, échange de Erasmus+, c'est comme Erasmus, mais pour les adultes qui travaillent, qui ne sont plus étudiants. Donc, un échange de savoir et de savoir-faire dans les jardins historiques, qui a été entièrement financé par la Commission européenne. Et c'est grâce à ce programme Erasmus+, que un petit groupe de Français est venu en Espagne et a été reçu à Madrid et à Barcelone. Et je dois dire qu'on a été très bien reçus, et je vous en remercie encore. Ça nous a permis aussi de concevoir un thésaurus multilingue. Donc, il y a 16 langues européennes. Et ce thésaurus, c'est vraiment un petit glossaire. C'est une centaine de mots pour décrire la composition d'un jardin. Un jardin ou la composition d'un jardin. Mais c'est peut-être que 100 mots. Mais c'est 100 mots dans 16 langues européennes, et c'est assez précis pour qu'on arrive à se comprendre. Et puis, dans ce projet Erasmus, dans ce projet IRIN au jardin, on avait aussi en tête de rendre les rendez-vous au jardin européen. Et ça, c'est chose faite, et c'est très bien. Donc, en bas de la page, vous avez l'adresse de IRIN au jardin. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on a mis en ligne sur le site les fiches par pays sur la politique des jardins. C'est très intéressant de regarder et de comparer ce qui se fait dans les différents pays. Qui a en charge les jardins? Alors, chez nous, c'est le ministère de la Culture, mais dans d'autres pays, ça peut être le ministère de l'Agriculture, ça peut être le ministère de l'Écologie. C'est assez différent, mais c'est plutôt
plutôt très intéressant de voir les différents acteurs et la législation qui est différente dans chaque pays. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et là, vous voyez le petit groupe Erasmus+, en pleine action. En haut, c'est en Belgique, dans le Hainaut, dans le jardin de Fréjus-sur-Meuse. En bas, c'est avec nos collègues hongrois, en Hongrie, au mois de mai. Il faisait un temps magnifique. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Là, vous reconnaissez tous, évidemment, votre jardin préféré à Barcelone. Et en bas, c'est aussi une visite avec les collègues hongrois. Donc, ce projet Erasmus+, qui a été initié par la France et financé par la Commission européenne, a permis vraiment des rencontres très intéressantes et des rencontres entre professionnels qui avaient besoin d'échanger sur les modes de gestion, sur des questions qui pouvaient être très, très, très pratiques, très techniques. De nos parcs et jardins. Et ça a été possible grâce à ce projet Erasmus+. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et oui, il y a eu quelques résultats. Outre de très belles rencontres dans les pays où on a été reçus, des échanges d'informations et de contacts, notamment sur les questions qui ravagent nos jardins depuis 5 ou 6 ans, la pyrale du buis ou le syndrome Cladium buxicola, les maladies du buis. On a aussi beaucoup échangé, comme je vous l'ai dit, sur le label Jardin Remarquable. Et puis maintenant, 22 pays participent au rendez-vous jardin. Et cette année, ce sera peut-être 26 pays qui vont participer au rendez-vous jardin. Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Et je pense que à la prochaine page, vous aurez. Voilà. Et donc, la prochaine page, c'est un extrait du Thésaurus multilingue que vous pouvez voir. Donc, vous pouvez voir par colonne. Le nom d'entrée est toujours en français, avec la définition en français. Et après, chaque mot est traduit dans les langues. Et évidemment, ce glossaire est en ligne sur le site Erasmus+, sur le site Irine au Jardin. Pardon. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah oui, alors la valorisation, c'est aussi pour le grand public et pour le plus grand nombre. Et depuis 2017, le ministère de la Culture a créé un portail qui s'appelle e-patrimoine, qui met en ligne des sessions de formation de 20 à 40 minutes pour les adultes, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes différents, sur les jardins comme celui-là, mais aussi sur l'archéologie, sur la protection des biens culturels, sur le trafic d'œuvres d'art, sur qu'est-ce que c'est l'inventaire, sur la protection des monuments historiques. Donc, tous ces cours sont en ligne sur notre site. Le but, l'objectif de notre cours en ligne qui s'appelle Les jardins, un patrimoine à conserver et à valoriser, c'était de montrer au grand public que les jardins sont aussi un patrimoine et un patrimoine à conserver et à valoriser, mais ça, vous le savez tous. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, le module présente avec beaucoup, beaucoup d'intervenants. On peut passer directement à la prochaine diapositive.
Comme ça, vous verrez les intervenants avec les titres des interventions. Parce que le but, c'était de présenter les démarches qui vont de l'inventaire des jardins à la conservation des jardins et les problématiques relatives à la restauration, mais d'une manière très, très globale, depuis le diagnostic qu'on doit faire en amont jusqu'à la restitution sur le terrain. Alors, chaque fois, on a choisi des exemples assez de restauration, notamment assez récents. Et l'idée, c'était aussi de ne pas choisir que des jardins parisiens ou des grands jardins comme Versailles, mais de donner la parole à des jardins plus petits, plus confidentiels dans les régions. Et puis, l'idée, c'était aussi de donner des éclairages plus actuels, notamment sur les jardins d'insertion, l'insertion par le jardinage, l'insertion sociale, l'insertion professionnelle par le jardinage et par le jardinage dans des jardins historiques. Voilà, la prochaine diapo. Alors là, c'est le reste, les autres intervenants. Et puis, on a aussi parlé du patrimoine des arbres et aussi des herbiers et aussi des fontaines et des fontainiers. Et les prochains qui seront mis en ligne, il y a encore deux épisodes à venir très, très prochainement. C'est sur les préinventaires de jardins et un autre sur ce qu'on appelle la persistance des tracés dans les jardins historiques, donc que l'on peut retrouver sur le terrain en cédant évidemment des documents anciens, mais en cédant aussi beaucoup des photos et notamment des photos aériennes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et après avoir sensibilisé les adultes, il faut aussi sensibiliser les jardins, les enfants à ces jardins. Et donc, il existe une opération assez ancienne qui s'appelle Adopter un jardin, qui est mise en place dans les classes. C'est chaque année un instituteur et sa classe qui adoptent un jardin. Et les enfants, l'instituteur vont à peu près chaque mois dans ce jardin et y rencontrent différentes personnes. Alors, ça peut être le jardinier, ça peut être le propriétaire, ça peut être un paysagiste, mais ça peut être aussi un artiste. Et ces rencontres permettent aux enfants de voir les jardins différemment, de les comprendre différemment et de les aborder de façon différente. Et donc, adopter un jardin fonctionne très bien avec les enfants petits dans les classes de l'école primaire. Après, avec les adolescents, ça ne marche plus parce qu'ils ont évidemment d'autres préoccupations, donc ça marche beaucoup moins bien. Mais c'est très intéressant de voir à la fin de l'année scolaire la restitution que les enfants font de de leur année passée dans ce jardin. C'est toujours très intéressant. Alors, ça peut être une exposition, ça peut être un film, ça peut être un conte, il y a eu des pièces de théâtre, une chorégraphie, enfin, c'est toujours très plein d'imagination et assez intéressant. Prochaine diapo, s'il vous plaît, je crois qu'on arrive à la fin, oui, et donc on s'occupe aussi de mettre à disposition de la documentation, alors de la documentation. Sur notre site internet, évidemment, que chacun peut télécharger. Les actes de colloque des rendez-vous jardins, comme
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi la liste des correspondants jardins pour que tout le monde puisse, que les personnes intéressées puissent prendre contact avec eux. On a aussi une liste des bibliothèques spécialisées, la liste des jardins de l'agence d'Édouard André, qui, elle, a été faite en 2011 à l'occasion du centenaire d'Édouard André. On peut y trouver les écoles de paysage en France, les actes d'un séminaire que le ministère de la Culture avait organisé il y a assez longtemps, en 2003, sur ce qu'on peut faire dans les jardins historiques. Prochaine page, s'il vous plaît. Mais je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est un petit peu fastidieux. On va passer à la prochaine page, donc vous voyez la charte de Florence, les jardiniers d'art, tout ce qu'on met à disposition sur les fiches pratiques, ce genre de choses. Et on va aller directement aux deux prochaines pages. Voilà, les fiches pratiques. Et on va s'acheminer vers la dernière page, qui est la dernière mission en administration centrale, ce sont les commémorations nationales. Donc, on a commémoré, comme je vous le disais, la mort d'Édouard André en 2011, le quatrième centenaire de la naissance d'André Lenôtre en 2013, le deuxième centenaire de la naissance de Jean-Charles-Adolphe Alphand, le grand créateur des promenades de Paris. Et le quatrième centenaire de la mort d'Olivier de Serres en 2019. Donc, les commémorations nationales, ça veut dire qu'on fait inscrire sur la liste officielle qui est tenue par les Archives de France des commémorations nationales. Alors, c'est des commémorations qui sont des écrivains, des peintres, des musiciens, de tout le monde. Nous, on tient aussi à ce que les jardiniers et les paysagistes soient commémorés. Et c'est l'occasion pour nous d'organiser une journée d'études, de préparer des bibliographies spécialisées, de mettre à jour aussi nos bases informatiques, de bien attribuer les bons jardins aux bons créateurs et de faire un petit peu de communication autour de ces commémorations par exemple, pour les commémorations de Le Nôtre en 2013, un circuit de tous les jardins d'André Le Nôtre en Île-de-France avait été mis en place et permettait, avec un seul pass, un seul ticket, de voir tous les jardins créés par André Le Nôtre et de faire un certain nombre de publicité et d'opérations autour de ce type de commémoration. Et je crois que je suis arrivée à la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous voyez là les différents sites qui sont sollicités et que vous pouvez évidemment aller consulter. Merci beaucoup pour votre attention et je répondrai bien volontiers à vos questions. Passo primer a fer preguntes en català i després les tradueixo, perquè així també sapigueu el que és això. Espera, que ho tinc aquí. Sí, preguntes sobre les tipologies de subvenció que donen els privats en les dues categories de jardins del jardí. Une question sur les subventions qu'il y a pour les deux typologies de jardins. Les jardins qui sont protégés au titre des monuments Les jardins historiques, privés, les jardins privés. inscrits et classés. Oui. Et les subventions, c'est comment fonctionne Alors, pour les privés? il faut faire une demande.
à la Direction régionale des affaires culturelles, donc dans chaque région, au ministère de la Culture, les délégations dans chaque région, dans le cadre d'une restauration ou de travaux. Et à ce moment-là, un budget, une enveloppe budgétaire est attribuée aux demandeurs. Alors, ça peut aller de 20% pour un jardin inscrit, au titre des monuments historiques, jusqu'à 50% pour un jardin classé. Ça, c'est la part de l'État. Et la part de l'État peut être abondée par les régions, par les communes, par les départements. Donc, certains propriétaires privés peuvent avoir des subventions jusqu'à 90% du montant de leurs travaux. S'ha d'explicar que això ho tenen protocolitzat, hi ha una manera d'omplir unes instàncies i es demana, ja ha dit, els llocs. El muntant pot pujar fins al 20% de pressupost i llavors això es mira i s'avalua la seva concessió. Què més? Sí, les funcions de, perdó, la pregunta de les funcions, si pot explicar més les funcions de les tres tipologies dels jardiners d'art. Les funcions diferenciées de toutes les typologies de jardiner d'art. En fait, c'est leur grade. Il y a des chefs, des moins chefs et des jardiniers qui travaillent vraiment, qui sont effectivement sur le terrain en train de tailler les buis, de ratisser les allées, de tondre la pelouse. Voilà. Et donc, les chefs de travaux d'art sont les supérieurs, les grands chefs, et eux ont la tâche de la gestion globale du jardin, c'est-à-dire pas seulement de s'occuper du personnel, mais aussi de s'occuper des commandes. Enfin, vous savez tout ça, quoi, ce que vous faites tout le temps. Et les chefs de travaux d'art, donc les jardiniers en chef, sont toujours en relation avec les architectes en chef des monuments historiques dans le cadre des restaurations. Ils doivent intervenir et donner leur avis aux jardiniers en chef des monuments historiques dans le cadre d'une restauration. Em diuen que no cal que tradueixi les seves respostes. Ils m'ont dit que ce n'est pas nécessaire que je traduis votre réponse. Deuxième. Oui. Un peu plus sur les différences au niveau de la protection des jardins classés et des jardins inscrits. Pardon. Demano que profundeixi sobre el nivell de protecció dels jardins classificats i dels jardins inscrits. Alors, c'est l'intérêt du jardin qui va décider de la protection, du type de protection, de l'inscription ou du classement. Un jardin, quel qu'il soit, est d'abord inscrit au titre des monuments historiques et ça se passe dans chaque région. C'est une commission dans chaque région qui propose ce jardin à l'inscription. Et si la commission en région trouve que ce jardin a un intérêt national, il va le proposer au classement. Et à ce moment-là, le classement, c'est la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, section parc et jardin, qui va examiner le dossier. Le dossier est présenté en réunion plénière et c'est la commission qui va proposer au ministre de la Culture. La commission a un avis de proposition seulement et c'est le ou la ministre de la Culture qui va décider de classer ou non le jardin.
Merci. Une autre question. En ce qui concerne aux correspondants jardins, quelles plantes ont-ils, comment sont-ils choisis, quelles graphies ont-ils? Alors, ils sont volontaires. Volontaires. Ils sont volontaires ça s'est toujours bien passé, hein. Ceux qui sont moins aguerris à nos questions de jardin reçoivent une formation. Donc, ils vont tous à la formation initiation à l'histoire des jardins. Et puis après, ils peuvent aussi avoir d'autres formations. Alors, ces correspondants jardins sont généralement dans les services des monuments historiques, mais pas toujours. Il y a quelques correspondants jardins qui sont plutôt dans les services de communication. Et là, ils vont s'occuper plutôt de la valorisation des jardins, alors que ceux des services de monuments historiques vont plutôt s'occuper de la protection, des travaux et des restaurations. La conservation. Il y en a dans chaque région de France, sauf en Guyane, et dans certaines régions, il y en a plusieurs. Dans les très grandes régions comme l'Occitanie, il y en a deux. Dans la très grande région Nouvelle-Aquitaine, il y en a trois. Voilà. Mais il y en a dans toutes les régions. Et ce sont des interlocuteurs très, très privilégiés et très intéressants. On a besoin d'eux pour savoir ce qui se passe en région. Par exemple, s'il y a un problème avec un jardin labellisé jardin remarquable, quelqu'un qui a visité un jardin nous écrit pour nous dire ce jardin est mal entretenu, c'est sale, c'était fermé, j'y suis allée 4 fois, c'était toujours fermé. Les propriétaires sont mal polis, enfin voilà, ce genre de choses que l'on peut, ce genre de reproches que l'on peut avoir. On se renseigne auprès des correspondants jardins pour savoir ce qu'il en est avant de répondre à la demande de la personne pas très contente de sa visite. Merci. Une question sur les jardins catalans qui ont participé au rendez-vous. Pouvez-vous nous dire quel jardin? Oui, alors ben, je crois qu'il y avait le labyrinthe d'Horta. D'accord, oui, on l'a vu. Il y avait à Blanes et un troisième jardin, Marie, comment il La s'appelle? limosna, c'est à Blanes et celui de Blanes, c'est peut-être Santa Clotilde à Lloret. Peut-être? Oui, c'est ça, à Lloret de Mar. Oui, c'est ça. Voilà, vous savez tout. Mais on espère qu'il y en aura d'autres cette année, et puis que toute l'Espagne va nous rejoindre. Cette année, la Géorgie et la Russie rejoignent les rendez-vous européens au jardin. Et la Finlande aussi, mais eux ont demandé de reporter à la fin du mois de juin parce que le premier week-end de juin en Finlande, les jardins ne sont pas encore complètement dégelés, donc ils ont besoin de 3 ou 4 semaines supplémentaires pour que leur jardin soit plus beau. Question sur André Malraux. On connaît pas, on n'est pas, on connaît pas ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour les jardins, Monsieur Malraux? Alors, André Malraux a été un ministre de la Culture en France qui n'a pas fait particulièrement pour les jardins, mais qui a fait beaucoup pour le patrimoine. Et j'en ai parlé parce que c'est lui qui a créé le service de l'inventaire du patrimoine en 1964. Et son intention, c'était d'inventorier tout le patrimoine du territoire français. Et de la petite cuillère à la cathédrale. Donc, c'est-à-dire de l'objet petit usuel jusqu'à la cathédrale.
Une dernière, pour le moment, une dernière question sur les jardiniers d'art. Quelle formation ont-ils? Combien d'années durent les études? Et si ces études sont réglementaires? Alors, ils ont un diplôme de jardinier d'une école horticole ou agricole. Et alors, il y a plusieurs niveaux, hein. Ça peut être un bac professionnel, ça peut être un CAP, ça peut être un niveau plus, un BTS. Je ne sais pas à quoi ça correspond en Espagne comme niveau d'études. Mais s'ils veulent rentrer au ministère de la Culture, ils doivent passer un concours. Et dans ce concours, il y a notamment une épreuve sur l'histoire des jardins. Donc, ils ont eu leur formation pratique de jardinier, mais il faut qu'ils soient quand même aussi capables de réfléchir à ce qu'est un jardin historique et de pouvoir d'en avoir visité quelques-uns et d'avoir une réflexion sur ce genre de questions. Mais quand ils arrivent chez nous, ils ont de toute façon aussi des formations qui leur sont proposées sur les jardins historiques. Et ils ont évidemment, comme tous les fonctionnaires et comme tous les travailleurs, droit à des formations techniques hein, tout au long de leur carrière. Deux questions plus encore. Le jardin d'Andorre, quel est Oui. d'Andorre? Jardin d'Andorre, vous avez. Mais je crois qu'il n'y en a qu'un. Okay. Jardin ouvert pour les rendez-vous au jardin à Andorre et je ne le connais pas. Je ne peux pas vous en parler, je ne le connais pas. À Monaco, c'est pareil, il n'y a qu'un jardin. Une question sur les jardins sans limite, si encore ils fonctionnent, c'est une. C'est une association qui a été créée il y a, je sais pas, une quinzaine d'années. Dans l'est de la France et qui met en relation les jardins transfrontaliers, donc de la région Alsace, Lorraine, avec le Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique, je crois. Il fait une conférence internationale. Oui, et ils organisent, je crois, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, un séminaire, une conférence internationale, oui, sur des thématiques. C'est la même question. Nottingham, non, je sais si. Alors, on va faire une ultime pregunta, la dernière question. Qui a tancat? No sé si n'hem parlat. Donem per acabat la sessió? Sí. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Sí, donem per tancada la sessió i agraïm moltíssim a Maria Helena la seva participació en aquesta jornada, les seves explicacions. Realment és molt interessant tot el que es fa i ens agradaria a nosaltres que ens estimem tant els jardins que nosaltres poguéssim tenir aquí, fer ni que fos només un 10% de tot el que es fa a França i que fa el Ministeri de la Cultura a favor dels jardins i dels jardins històrics. Moltíssimes gràcies a tothom per la vostra participació i la vostra escolta. De nou, merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ton. Merci, merci de votre invitation. Merci beaucoup. I ens veiem a la propera setmana, a la propera conferència, que serà el mes de maig.
amb els Jardins de Rossinyol per la doctora Mita Casacuberta. Moltíssimes gràcies a tothom. Bona nit.